À la recherche de l'essentiel, le livre des vivants, de la part de Jésus de Nazareth, à celles et ceux qui ont faim et soif de l'essentiel. L'essentiel, qu'est-ce qui est essentiel? Et si c'était ce qui a été la découverte de la vie de Jésus? Que Dieu, le Créateur de l'univers, c'est notre Père, tout simplement. Un père qui n'en peut plus d'être éloigné de ses enfants, qui en a assez d'être appelé tout-puissant, il le sait, il n'a pas besoin qu'on le lui dise. Un père qui veut bien être honoré comme un dieu, à condition que ceux qui le célèbrent et l'encensent ne focalisent pas leur foi sur cette adoration-là. Parce que cette façon ô combien cavalière de le jeter de sa vie, en le mettant hors de portée, au fond de l'univers, ne le satisfait pas, mais pas du tout. Parce que ce n'est pas pour cette croyance-là qu'il a créé les hommes. Ça, Jésus l'a compris. Il a compris qu'un Dieu qui est Père, ce n'est pas une gentille petite prophétie de plus. Même si cette connaissance apporte un éclairage complémentaire sur le sens de la vie, de la souffrance et de la mort, et précise quelques points de morale. Il a compris que si Dieu est Père, lui est enfant de Dieu. Mais être enfant d'un Dieu qui se veut Père va bien au-delà que se contenter de penser à soi et à ceux qu'on aime. C'est une filiation exigeante, qui implique une réalité nouvelle, la fraternité universelle. Une fraternité qui ne vaut pas seulement pour lui, qui vaut projet de vie pour tous. Le jour où cette prise de conscience l'envahit, Jésus quitte tout et prend la route. Parce qu'il n'est pas possible de garder pour soi une telle révélation. Parce qu'il n'est pas possible de laisser des myriades de frères et sœurs continuer de rater leur vie. À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.